parole de la même manière que vous n'avez pas aimé. Il y a des gens ici qui n'ont pas aimé. C'est pour ça que ça a duré 7 ans. Et je suis partie trouver quelqu'un qui a aimé. Tout le monde ne peut pas aimer un profil. C'est là la difficulté, parce que je prends ta question. Et les gens me disent, mais moi j'ai mon projet, je l'ai bien écrit, vous dites que c'est pas bon. Sur quoi vous vous basez pour dire que c'est pas bon? C'est là que vient, peut-être, comme il a dit, la sensibilité de celui qui veut mettre son son. Qu'est-ce qu'on a mis dans le projet pour le convaincre à aller avec vous? Lui, la personne, une personne peut refuser, mais une autre personne peut kiffer. C'est ça. Même si la parole, de la même manière que vous n'avez pas aimé, il y a des gens ici qui n'ont pas aimé. C'est pour ça que ça a duré 7 ans. Et je suis partie trouver quelqu'un qui a aimé. Voilà. Donc tout le monde ne peut pas aimer un projet. Bon, c'est aléatoire, c'est difficile. Mais on essaie, quand on fait un projet, de prier et de dire si. On essaie aussi de connaître un peu l'esprit des diffuseurs ou des gens qui mettent de l'argent. On sait que ce mécène-là où se diffusait, il aime ce genre. Donc si je vais chez lui, forcément, là-bas, je pourrais avoir une réponse à vos femmes. Il n'y a pas de critère. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas faire tout le monde va aimer. Ça, jamais. C'est aléatoire. Donc, moi, je peux comprendre autrement, vous allez comprendre autrement, et c'est ça qui pose débat. Si on regarde un film et tout le monde sort de cette salle, il n'y a pas de débat, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, en fait. Voilà. Moi, c'est ce que je veux dire. Mais le choix d'un projet n'est pas que sur l'idée pour moi. Surtout que je vais faire 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec la personne. Il faut que vraiment la bonne intention, votre bonne intention puisse me parler. Sinon, on ne peut pas faire le mariage en fait. C'est pas que au film. Le vivre riche, c'est de jouer à la rafle. J'ai produit son premier long métrage, j'ai produit Traverser son deuxième long métrage et je produis son troisième. Mais le premier, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas Joël Atafou. Donc, c'est pas que au feeling. Il faut aussi voir ce que la personne propose. Le feeling commence si vous avez déjà collaboré au moins une fois ensemble. Mais si on n'a jamais collaboré et je choisis un projet dans cette salle, c'est que je l'ai choisi sur la base déjà de la sensibilité et de ceux qui le portent. Et peut-être que la personne a quelque chose à me montrer. Si je choisis d'avoir le projet sur la base de la sensibilité, et après, je demande qu'on m'envoie le dossier, plus ce que tu as déjà fait. Si ce que tu as déjà fait ne me convient pas, ça veut dire qu'on ne peut pas voir dans la même direction. Donc je peux te répondre que j'aime bien ton projet, mais peut-être que je pense même que toi, tu ne le penses pas en fait. Voilà.